et qui depuis longtemps, de toute façon, les inquiète. Ça, je pense, hein, que c'est un des éléments qui provoque, enfin, qui pourrait provoquer cette guerre. Oui, Léa, il y a cinq éléments, c'est-à-dire président Trump, il pose cinq conditions pour les ayatollahs iraniens. Parmi les cinq, il y en a un qui concerne reconnaissance d'État d'Israël, mais il y en a quatre d'autres aussi, c'est le danger potentiel de ce régime qui intervient à l'extérieur de son pays. C'est alors parmi les quatre, les cinq, demande de Trump pour ne pas faire la guerre avec les ayatollahs. Un, c'est éliminer et détruire toutes les capacités de missiles balistiques iraniens. Deux, détruire et arrêter les activités nucléaires. Et troisième chose, à arrêter et d'aider de certains mouvements terroristes comme Hamas, Djihad islamique, Hezbollah, Libanais, et arrêter à aider les Houthis, les Alawites, les chiites, les Zaydis à Yémen. Et c'est vrai que si tu veux calculer derrière tout ça, en même temps qu'il y en a Israël, il y a l'Arabie Saoudite aussi. Parce que Israël, c'est un pays civilisé. Israël, les Juifs, c'est d'origine iranienne, c'est leur patrie, c'est leur pays. S'il n'y a pas de menaces de la part de Hezbollah libanais, Djihad islamique, Hamas, qui envoient des missiles vers Israël, oh, ils n'ont pas de problème avec les Iraniens. Ça fait des milliers d'années que les Juifs sont en Iran. Et ils ont sorti de l'Iran aussi. Même Jérusalem s'était fondée par les Iraniens, par les Perses. Mais l'Arabie Saoudite et Bahreïn, Koweït, Amarat, ils ont un conflit historique avec l'Iran depuis 14 siècles. C'est pour ça que la République islamique d'Iran, il est menacé que si l'Amérique attaque l'Iran, oh, ils vont avant tout attaquer tous ces pays-là, petits pays-là. Mais malgré tout ça, oh, ils sont pour la guerre. C'est-à-dire, ils font des conférences à droite, à gauche et tout ça pour faire la guerre. Mais les cinq demandes des Américains, c'est d'arrêter d'investir les mouvements terroristes en dehors de l'Iran. Et surtout, cinquième que je voulais vous dire, se retirer de la Syrie et de l'Irak. Mais jamais ils ne vont pas se retirer puisque le pouvoir en place dans tous ces pays-là, c'est des pouvoirs chiites iraniens. C'est-à-dire, actuellement, je ne sais pas si vous le savez ou non, vous savez, Léa, comment l'Iran, avec l'aide des États-Unis et l'Europe, ils ont réussi à exterminer Daesh en Syrie. C'était grâce aux soldats chiites, non iraniens, mais sous l'ordre des Iraniens, qui ont fait la guerre en Syrie. C'est-à-dire, même pour continuer la guerre en Syrie contre Daesh, la République islamique d'Iran n'a pas eu des soldats iraniens, puisque les Iraniens ne font plus la guerre à la demande de ce régime. Alors l'Iran était obligé de composer deux armées, Fatimiyyin, qui étaient les chiites d'Afghanistan, et après Hashd-e-Shaabi, c'est les chiites milices irakiennes. C'est deux grandes armées qui étaient créées récemment et avec les Américains et les Européens, et ils ont exterminé les Daesh en Syrie. Alors c'est pour ça, certaines demandes de Trump, les ayatollahs, s'ils cèdent, c'est-à-dire c'est la fin de vie pour eux. C'est-à-dire, s'ils acceptent les cinq conditions, ils sont morts. S'ils n'acceptent pas, la guerre sera déclenchée.
si c'est les sites qu'ils vont frapper, les ayatollahs vont rester. Et en plus, encore plus que ça, ils vont ramener les chiites à l'intérieur du pays, comme ils ont fait. Il y a déjà quelques mois, l'armée Pasdaran iranienne, il a fait entrer plusieurs milliers de soldats non iraniens de Hashd al-Sha'bi irakien en Iran, en disant qu'ils vont aider l'Iran dans le tremblement de terre. Tremblement de terre, c'est la France, l'Amérique, les pays de progrès, ils peuvent aider. Pas les soldats avec leur GC, avec leur pistolet. C'est-à-dire, l'Iran, il pense que même s'il y aurait une guerre, la République islamique, il dit, OK, l'Iran va être détruit, une grande partie des Iraniens, ils vont être massacrés, mais ce n'est pas grave. Il y a assez chiites dans le monde entier, on va les ramener en Iran. C'est ça le but d'Ali Khamenei. C'est pour ça qu'Ali Khamenei, il fait tout pour que cette guerre, ça s'éclate. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai, Trump et surtout les généraux américains. Ici, je vais vous confier un secret. Avant-hier, président Trump, il a ordonné de frapper l'Iran, certains sites iraniens. Mais 10 minutes avant, il a retiré cet ordre. Lui-même, il a dit, c'était suite à la consultation qu'il a eue avec les généraux. C'est la réalité, c'était ça, les généraux américains, cette fois-ci. Au même, ils ont dit, monsieur le président, on ne va pas attaquer sous le commande des pays arabes, l'Iran. On ne va pas attaquer, monsieur, on va tuer 150 personnes. Après, quand Trump il est en face de ses généraux, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, les généraux américains, eux-mêmes, ils ont refusé et ils ont donné le conseil à président Trump de ne pas attaquer. Et il n'a pas attaqué. Pourtant, l'Iran, il avait fait chuter un drone américain qui coûtait 20 millions de dollars. Cet drone, on l'avait envoyé pour repérer les endroits, pour frapper. Ça, c'était détruire. Tu sais, Léa, quand on a détruit cet engin américain, c'était une grande victoire pour la Russie. La Russie, depuis des années, il était en recherche de savoir comment ce drone a été fabriqué. Alors, tac, ils ont un dans leurs mains qui est tombé de ciel. Léa, je t'écoute. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.